Messieurs, dames, la famille, bonjour, bonsoir pour nous tous, tant que ça parle le pont qui côté, ou bien qu'il nous parle de chance ou étant des vidéos ça. Namikoa, c'est toujours Zamino, collaborateur nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde badé, et nous comptons rencontrer, et nous remercier pour support, pour collaboration, merci ou fait choix de nous pour capable informer, merci pour fidélité ou à patience. Jeudi, c'est mardi, na vive mardi 18 avril. Nous espérons que tu es bien dormi, ou tu es passé une très bonne nuit en bas protection. Bon Dieu la vie, Zansetio à tout dans Changuinéo et toute équipe là à la ronde badé, nous déjà motivés et mobilisés et pour nous porter pour toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Nous porter pour journal créole Méga Matin. Jean nous tous nous connaissons. Méga, c'est Pigo Réseau Radio gagné sous la Tébéni. Avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous donnez tout ce qui va passer, nos provinces, tant qu'il y a tout triste, nos diasporas à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité sous priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations que tout l'autre côté. Studio Pétionville. Le invité au côté Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Journal Méga Matin, c'est Kounia Santène, Radio Méga, jeudi, c'est mardi 18 avril 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde, avec un même plaisir, même fougla, même détermination. Pour nous porter notre journal Créole Pays, journal Méga Matin, Santène, Pivo Réseau, Radio Excellent Modelant. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph, qui a fait travail et que vous en Haïti, ou la trier collaborateur aux États-Unis. Bonjour, bonsoir, Jean-Willer Sévère. Bonjour, Julien, un mardi, messieurs. Bonjour, Blaise Peterson. Bonjour, Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Rapidement, quelques prenables qui vont développer dans le journal là pour matin, mardi, ici là. Bandit kidnappé, directeur régional DGIA dans la Tibonite, Fleury Nord Antoine, Ayala Dian. C'est gang La Croix Périsse qui posait la patte sur l'île rentrée ville à Gonaïve. Qui s'en a fait avec pays? C'est question à chevêque métropolitain et Port-au-Prince, monsieur Max Leroy, Mésidor, posé autorité. Après Zach kidnapping qui vient dans une chapelle dans Pétionville, achevec la Madeon Chita Palais, pressé pour jouer nos solutions à crise qui a brassé le pays. La police a mis la patte dans la zone Chaudmas, souffrance Casimir alias CP ou Tidou. Il a présenté monsieur comme membre base 5 secondes dans le village de Dieu. Selon la police, CP impliqué dans plusieurs actes kidnapping, lité contre 20 marchandises pour groupe gangsta, volait tout d'après ça qui dit mon côté autorité et policier. Pour public, si toi, mon prend balle à lundi 17 avril, là, dans le local, centre réception, livraison, document, identité, dans Gonaïve, mon sa victime suite à bouche l'ouvri qui t'a gagné, anti policier, avec un civil qui t'a gagné, zam sous lui. Premier ministre Ariel Henry, lui-même, si t'a parlé avec un nouveau chef, Binuyan, Maria Isabelle Salvador. C'était en première rencontre, côté, discuté sur différents dossiers qui concernaient mission Binu, selon la primature. Ancien sénateur Antonio Cherami minimisé sanctions, ça, qui semblait pas faire ni chaud ni frais, tant ce sénateur rappelé, il n'a pas jamais été pied dans le pays République Dominicaine depuis plus passé 10 l'année à cause de mauvais comportement envers Haïti. Responsable à Fondation Zilea, Edwin Parison, qui t'a préagi sous sanction CEO, rappelé tout au Saint-Domingue, tes premiers pays qui lui-même t'a commencé à faire sanction CEO dans le mois septembre 2022. Ancien ambassadeur pays d'Haïti, la Cavoisien, refusé quoi, Luis Abinader, elle t'a agi sous pression États-Unis, malgré le reconnaître sanction, ça prend quelques jours seulement après visite sous secrétaire d'État américain Wendy Sherman. Coordonnateur général UNO a qualifié diversion note vocale, ministre d'éducation formation professionnelle a metté dehors après ancienneté fin annoncé une série de mouvements protestation. C'est une stratégie pour créer confusion d'après Josué Merlin qui exigeait pour le ministère payer tout ancien qui gagne difficulté pour venir travailler à cause de problèmes de sécurité. Pour parole SDPA qui s'est mettre entre Michel a pillé décision ministère éducation nationale prend pour Kembe, chèque certains professeurs qui n'ont jamais travaillé
dans l'école publique. Maître André Michel rappelé, c'est en pratique à côté professeur a touché sans travail, lui exiger révocation toute en séance. Groupe Croissance lancé hier le 17 avril, la 13e édition Sommet international finance qui a déroulé pendant 3 jours, baptême financé éco de développement, économie et écologie. C'est pas l'occasion pour intervenir. On réfléchit sur le changement climatique qui a un gros impact sous pays, sur tout secteur agricole, d'après Kisner Farel. Nous démarrer le journal là avec un groupe 4 traversés. Nous connaissons que nous 4 traversés dans la région métropolitaine à Port-au-Prince pour matin. On a bien pour porter pour rubrique capsule santé. Nous connaissons combien de gouttes nous besoin pour dollars américains et sans oublier comment ça nous a fait un prix manger pour matin. Et dans le journal là, c'est pour le rubrique météorologique journée avec un collaborateur, nous Jean Willer Sévère. Restez là, pas tout matin, bouton radio. Nous sur Radio Méga, nous pourrons suivre le journal Méga Matin. Le journal Méga Matin, c'est nouvelle Lombaye. Nous pourrons tourner dans quelques secondes. Je viens d'annoncer le titre journal là, individu armé, groupe gang Cocorate sans race, qui basé yo dans la zone La Croix Péris, mais dans la commune Lester, dans le département de la Tibonite, M. Sao levé, on a dit kidnappé, jour qui était lundi 17 avril 2023, mais Fleury Nord P. Antoine, ok, Fleury Nord P. Antoine, qui c'est directeur bureau régional, direction générale impôt au Gonaïve. On a dit bien, et DGI. Mais ça, kidnapping ça commet dans l'entrée sud de ville Gonaïve, selon l'information qui vient chez nous, ici, là, dans la salle nouvelle Radio Méga, mais civil armé ça y est, qui acheté zone ça là, Jean Content, et monsieur qui fait toute qualité ça, qui a kidnapping et une contente. Il a pris un en dedans bus. Récemment, il a pris une demoiselle en dedans bus. Oui, une demoiselle étudiante dans l'université Limonada, dans sa femme. Voilà, il a kidnappé plusieurs monde. Ça veut dire que c'est plusieurs fois, il a pris des étudiants, il a pris des monde qui, dans des bus, qui a traversé dans la zone Sahayo. La police qui, jusqu'à présent, connaît que qui, pourquoi, on a capable de dire là, des contrôles, mais gérer la situation, qui a développé avec de groupes armée, soit dans sa vienne Liancourt ou bien tout dans exactement zone et l'Esther qui vient la Tibonite avec le groupe armé. On va aller avec exactement Mackenzie Bélisère. Mackenzie Bélisère qui lui-même t'a dû dire nous comment on beau parti dans Pétionville levé pour matin. Hein? Est-ce que ou même qu'a sorti zone bon rond-point Toto, qu'a sorti bon c'est cimetière Pétionville qui prend les routes de frères, qu'a dit lui-même pour qu'on jamais qu'à arriver, mais poser pied à terre dans zone ça, pour selon le monde, pour t'a démanteler réseau à tout faire si là. Et n'a dit tout bandit et la police. Semble la poser la patte sous citoyen ça, qui est les events Stéphane Dorzilma, qui, Marcel, monsieur, qui est gagné 27 l'année sous terre, la police a arrêté monsieur, dans ville Inch, monsieur est un membre actif, groupe gang, qui est les Cocoate Saint-Raslan, mais qui a opéré dans le département la Tibonite à Nord-Ouest, mais la police a arrêté Events Stéphane Dorzilmas Marcel, qui a 27 l'année, mais pour présumer implication, monsieur, dans l'assassinat. Plusieurs policiers, dit monsieur tout un pile policier, monsieur impliqué dans la mort plusieurs policiers d'après SAOUDI. Et c'est un nec qui habite près de prison déjà. Et la police retournait, mettait la patte sous lit. D'après SA qui dit et bon côté force Claudio. Et pour Kounia, mais Events Stéphane Dorzilma, Marcel, monsieur qui placé dans garde à vue, la répond question autorité judiciaire à autorité policière selon toute dernière information. Pour plus de 3 mois, on prend balle là le 17 avril dans le local centre réception à livraison document identité dans Gonaïve. Moun sa yo victime à cause bouche l'ouvri qui te gagne entre yon policier et yon moun qui te gagne zam souli. Oui, nous connaissons bien, eh bien situation ça dans Gonaïve. N'a pas pour nous tourner souli en détail avec la question de permanent de Mackens lui. N'a pas pour nous faire un coup de pied là dans quelques villes provinciaux. Mais pas oublier tout pendant le week-end, non, samedi qui était exactement 15 avril, là, il y a une situation, tension qui était développée tout dans une zone Eneri, dans réception, document, livraison, identité, pièce à côté qu'une son gélaïenne, il y a
correspondant permanent non Martins, lui qui parmi monde qui était et victime nan an di altercation des autres qui étaient gagnant mais ça ça nan Henry mais côté situation c'est que ben citoyen dans zone nan jeune dans zone nan qui au même tout vini glequer son passeport yo de très tôt yo pas jamais des choses pour passer on dizaine agent Udmo policier ben yo débarqué depuis nan matin très tôt avec 5 moun 10 moun 15 moun pour faire passer pour aller faire une photo à signer passeport selon ça on nous dit de dénoncer ça et tout cas 4 5 heures après-midi ça a été créé situation panique et ça après mais soulever coller la caille divers habitants divers citoyens dans zone Henry côté qui gagne question et espace ça et mais yo t'après lancer un pile coup de bouteille coup de roche ça t'après créé un gros vent panique et là c'était dans moment ça correspondant permanent nos Mackens lui qui est même était en déplacement avec deux Simon, pour te aller même faire photo, signer une pièce ça, pour te joindre passeport, mais lui-même, il est après à la situation très difficile, mais il côté, dans le coup de croche, coup de bouteille qui est après à le lancer, il est après à arriver victime, il détendait, mais tout détail sur ça que Mackens t'a partagé avec auditoire, journal Méga Matin, hier matin lundi, qui c'était exactement, et 17 avril 2023, mais nous, hier, c'était tout pas Gonaïve. Ça veut dire dans la tibonite situation hein, mais lui paraît très compliqué par rapport avec la question moun kap jiri affaires et pièces ça qui c'est surtout question en passeport. On va aller avec John Ruiz, les janvier sévères qui va dire comment ça y est. Nous parler dans zone Kafoumara ça différent du Valio qui j'en ça y est pour matin. Bonjour John Ruiz, les janvier. Après une fin de information sur question insécurité, côté Negaxam, kidnappé directeur régional DGI, nous avons toujours été sous même dossier insécurité de Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain Port-au-Prince, qui confirmait un groupe Negaxam rentré dans chapelle Oratoire Saint-Charbel-là. J'ai dit passer côté au kidnappé yon moun et puis de l'autre fidèle sorti blessé. Max Leroy Mésidor dressé un tableau noir coulant sous situation insécurité qui perdit frais dans le pays. L'école, business et même l'hôpital pas qu'à fonctionner. Monsieur a demandé l'État qui s'est fait avec payant. Monsieur a demandé autorité yo, dans sa propre responsabilité yo. En côté, Monsieur Max Leroy Mésidor. Après tout choc et émotion, Zach malhonnête qui passait dans l'Oratoire Saint-Charbel là, jeudi 13 avril l'a provoqué, après notre officiel service communication à Fidiocèse et publié, moi prends la parole pour condamner immédiatement ce kidnapping qui fait après messe, moi t'as célébré, tout prix chapelle là, n'est on la coup privé. C'est un Zach révoltant, c'est une grosse menace aux responsables actuels en l'église. N'a présenté partie à solidarité l'église là, by deux mouns qui kidnappé yo. Deux mouns machines kidnappées ont frappé devant barrière oratoire. Grâce à Dieu, yo vivant. Moun qui victime yo, c'est la messe yo te venu. C'est la prière yo te venu la prière. Yo te pensé, yo te fait ça dans la paix. Malheureusement, monsieur qui gagne gros âme nan men yo, montré yo pas peur en rien. Yo pas respecté personne, yo pas respecté pièce institution, yo montré yo pas craindre mon Dieu. Yo fait ça yo vle, l'heure yo vle, côté yo vle, sou moun yo vle. Nous exprimer sympathie ak solidarité nous bay famille de frère nou yo ak famille tout l'autre monde qui dans men kidnappé. N'a dit autorité yo dans l'état, nous pas d'accord du tout avec façon pays à marcher là. C'est comme si l'état a crasé. C'est comme si toute pan société a ébranlé. L'école a fonctionné bien. Université, même bagaille. L'hôpital, grand pile problème. Chaque semaine, il y a kidnappé docteur. Commerçant, a fait n'importe entreprise yo. Si machin a vu une queue sauter, journaliste en danger, l'église pas qu'à rassembler fidèles dans la paix, quitte l'église catholique, quitte l'église protestante. Plusieurs commissariats vides, peuple a senti lagué pour compter. Côté ça a privé, côté n'a mené pays. Peuple a pas qu'à vivre, ça n'a fait. L'école yo, à l'université yo, pas qu'à fermer. L'église pas qu'à fermer pour être en sécurité. C'est droit pour nous rassembler dans la paix, la sécurité. C'est droit et les vues pour y aller à l'école. Droit, entreprise, la presse,
l'hôpital pour fonctionner normalement. Toujours avec Max Leroy, Mésidor, pays de fer qu'on est là, pays en danger, selon archevêque à Port-au-Prince, qui est proposé. Et on chute à parler, pressé, pour poser problème pays à travers un dialogue sans coup de bas, sans mesdames, sans coquin. Max Leroy, Mésidor, persuadé, Gémoun, qui remet pays, qui est volonté, qui est capable de dialoguer pour sortir Haïti dans la crise sans fond que le trouver, je l'ai jeudi. En écoutant l'autre fois, Monseigneur, archevêque à Port-au-Prince, Max Leroy, Mésidor, détails. Moi, encourager sans nous pas perdre du temps. Pour nous, un véritable chita parler avec tout secteur, sans nous pas mettre aucun monde sous côté. Pour nous, ouais, ça pour nous faire. Il y a un pile monde qui est capable de payer. Il y a un pile monde qui remet payer. Il y a un pile monde qui a une bonne volonté de payer. Relayez-le, parlez avec vous. Faut nous parler avec sincérité, sans calcul politique, sans coup de bas, sans intransigeance, nous en danger. Nous gagnons une société qui a crasé. Nous gagnons moins encourager nous, sans nous pas perdre du temps. Pour nous faire un véritable chita parler avec tout secteur, sans nous pas mettre aucun monde sous côté. Pour nous, ouais, ça pour nous faire. Gen pile moun ki kapab nan peyi a. Gen pile moun ki reme peyi a. Gen pile moun ki gen bonne volonté nan peyi a. Rele yo, pale avec yo. Fò nou pale ak sincérité, sans calcul politique, sans coup de bas, sans intransigeance. Nou en danger. Nou gen yon société k'ap krasé. Nou gen yon peyi pou nou sauver. Monsieur qui gen gros amyo, qui côté nous voulons vivre, qui projet nous, qui ça nous voulons même pour pays, qui ça nous voulons pour famille nous et pour génération qui va venir. Ça va passer nous comme ça. Prenons un petit temps pour réfléchir. Et puis, respectez bon Dieu. Respectez petit bon Dieu. Respectez la vie monde. La vie monde sacrée ou même tout la vie sacrée. Fidèle, tout citoyen, tout le monde qui a une bonne volonté, encouragé, pas perdu espoir, ni parisien. Résignation, pas pour chrétien, ni pas pour citoyen vaillant. Rete solidaire, yon ak l'autre. Continuez la prière. C'est pour l'église, continuer l'assemblée peuple bon Dieu dans la foi et la vigilance. Je remercie tout le monde qui voit un message sympathique pour nous, tout le monde qui rend nos visites. Une occasion difficile ça. Jessio, allez dans que nous et dans que toute fidèle l'église là. Dans l'occasion faite divine miséricorde là, m'a demandé bon Dieu que sensible là. Pour le gain pitié pour nous, pour le veiller sur nous, pour le veiller sur pays ça, les remet en pile là. Pays ça, les habitués sauver dans mauvais moment. Et voilà la déclaration à l'évêque Port-au-Prince Max Leroy Mésidor qui lui-même a réagi à cette situation pays qu'on est, surtout Zakia criminalité qui, je dis, hein, qui n'est pas épanoui personne, personne n'est pas épanoui et qui gagne pas que sur tout secteur dans la vie nationale. Eh bien, Monseigneur Max Leroy Mésidor qui a lancé, écrit ça, qui a lancé, appelle ça dans oreilles toute autorité, tout acteur concerné, pour le citer ensemble, pour parler ensemble, sans coquin, sans mettre d'âme, sans question et en dit-chita-ticoulout entre tipatisans, mais c'est tout secteur, c'est toute votre vive nation hein, qui vous mettez têtu ensemble pour garder comment que l'occasion de solution en crise. Dans. Pas question pour l'école, pour l'église, pour l'université, tout ça a fait mes portes à cause et question d'insécurité. Hein. L'église a mis une action qui posait pour que je dis en là la paix qu'a établi en deux pays hein, pour la vie qu'a fonctionné, la vie qu'a pris normalement, que tout le monde qui a fonctionné sans la Pérez. Jean nous t'ai annoncé le titre journal Méga Matin là, mais la police nationale d'Haïti a annoncé a eu arrêté un certain de France, Casimir alias CP ou Tibou. Mais monsieur a arrêté le dimanche qui était 16 avril 2023 dans zone Chadmas. Monsieur était dans un Toyota RAV 4 qui était pour plaque AA79830. Mais selon ça qui fait qu'on est bon côté de la police nationale d'Haïti. La police a fait qu'on est là, mais monsieur son nez qui implique dans la
divers Zach kidnapping. Souvent, Zach kidnapping qui fait dans Rue Saint-Honoré, son équipe, c'est très conjoint ça bien. En plus, Zach kidnapping qui fait dans bloc ça. Souvent, fois que monsieur impliqué là-dedans, d'après ça qui dit, bon côté force l'audio. Mais le fait qu'on est là, mais Franz Kazim alias CP Outidou, monsieur Tayou, membre influent. Groupe Gang 5 secondes, ça veut dire monsieur t'a fait partie, groupe Gang 5 secondes, village de Dieu, ils ont dirigé, et monsieur très influent dans groupe Gang ça, d'après ça qui dit, et bon côté, autorité policière. Et au fait qu'on est, mais Franz Casimir, monsieur son nez qui compte à liquider 20 marchandises pour équipe et gang ça, bon, qui marchandise la police, mais fait qu'on est, monsieur, c'est ça, monsieur fait ça très bien, mais les négociés marchandises pour elle vendre, pour elle faire livraison, eh bien, et Franz Casimir, alias CP ou bien Tidoussa, monsieur, lui, c'est un monde qui compte faire ça bien qu'elle vende ça pour Negio. Et pour qu'on y a, Franz Casimir, alias CP ou Tidou, monsieur, qui placé dans le garde à vue, monsieur là, les après pour une question autorité policière et judiciaire, sous ça, yo reproché. Nous continuons avec information. Il y a un premier ministériel qui rencontre lundi un nouvel chef binuyen, madame Maria Isabel Salvador. C'est un premier prise de contact pendant yoté passé un bon petit temps. Côté yoté passé en revue, un principal dossier concernant mission binuyen. Nouvelle représentante, secrétaire général ONU, félicité chef gouvernement pour résultat qui fait dans affaires dialogue et pour démarche qui est engagée dans le cadre lancement processus électoral. Nous avons continué avec information avec Abel Loriston qui fait partie organisation sociopolitique qui fait partie force opposition radicale pour changement. Diverses organisations sociopolitiques en tant que force opposition radicale pour changement, groupe intégré pour développement Haïti, qui a annoncé deux journées mobilisation pour mercredi et jeudi Cap Vinila devant résidence pour le ministre Ariel Henry, dans l'idée pour dénoncer phénomène insécurité à Gagonde d'un pays et puis exiger démission chef gouvernement. Bat ténèbres, exposition photo, monde qui victime insécurité, c'est quelques parmi activités. Cap Guénan, deux journées mobilisation, ça d'après Abel Loriston, dirigeant Focla, qui était tout profité dénoncer programme apaisement social. Chef gouvernement a lancé la fois passée. Hein. C'est un programme d'après lui pour gouvernement capable de gaspiller l'argent. En côté Abel Loriston, Namiko Josué Belamou. Je dis à nous constater en rien pas fonctionner dans le pays. C'est chômage, la vie chère, grand goût, insécurité, à kidnapping, taux inflation a augmenté. Je dis à nous besoin 154. Goud à 160 goud pour 1 dollar américain. Peuple a pagué pouvoir d'achat. L'année dernière, PM Ariel Henry était venu avec un programme d'apaisement social. Côté ministre des Affaires sociales, Rico Pierre Audenay, te gagné 3 milliards de goud dans le Messieurs, dames, gouvernement, a tout allié, gaspillé, gagoté, volé l'argent ça. Et programme non, pas arrivé, atterri. Année ça encore, Ariel Henry, PM de facto a annoncé un autre programme assainissement pour 21 milliards de gourdes pour gagoter, tandis que la population haïtienne, c'est ce qui est le besoin pour évacuer avec occupation, pour ce qui est correctement dans le pays. Et bien, ça montre nous à clair que PM Ariel Henry, bagaille sécurité à intéressé et sécurité à bon pour lui, pour faire temps passer pour être plus sous pouvoir. Force opposition radicale. Pour changement, dis-nous, on a fait avec un PM bébé, avec Zoul, qui pas ouais, qui pas attendait, qui pas comprendre souffrance population haïtienne. Et dans ce sens, force opposition radicale pour changement vient annoncer deux journées de mobilisation sans prendre souffle, mercredi 19 avril 2023, à 17h30, nous pourrons faire une exposition photo, tout le monde qui est victime. En bas balle, bandit armé, sans foi de loi. Monde qui tombé en bas balle, bandit armé, et pouvoir manger. À midi tapant, la batte ténèbre, des fois Ariel Henry, pour nous courir à tout vieux esprit criminel, esprit sanguin, qui en donne tête Ariel, qui empêchait Ariel ou éclair. Jeudi, 20 avril 2023, gros sitine pour aller demander Ariel Henry, PM de facto, pour démissionner sans condition. Pressé, parce qu'il n'y a pas de mandat constitutionnel, il n'y a pas légal et il n'y a pas qu'à organiser l'élection à Nessa, parce qu'il n'y a pas de volonté pour organiser l'élection. Ariel Henry doit racheter Banyokli.
Et voilà la déclaration à Belle Lou Riston, groupe intégré pour développement d'Haïti, JIDA, lancé un appel à tout le monde qui est en danger dans le quartier qui est trouvé sous contrôle, groupe armé pour héberger devant les autorités pour rejoindre une sécurité. Francky Filder, dirigeant JIDA, plaidé en faveur de son soulèvement général en d'un pays. C'est le seul moyen, d'après les sociétés, à sortir et à râler en souffle dans la situation de trouver le jeudi. En côté, Francky Filder. Non, le poisson d'avril Joe Biden pour nous, c'est pendant 2 ans, il a pris 180 000 personnes pour Haïti. Et pendant 2 mois, il y a 300 000 personnes qui étaient inscrits. Avait dit, nous ne sommes pas allés. Il faut que nous